salut tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien et que du coup on va pouvoir commencer cet enregistrement, cette diffusion aussi, je fais les deux, de Un Plus Fou au Tranquillou de Golden Sun. J'avais déjà fait une première partie où on n'entendait que ma voix et pas du tout le son du jeu, donc on va tout reprendre du début et on va s'amuser tranquillement. Voilà pour l'intro, on va attendre encore quelques secondes, et puis on va y aller tranquillement. Si vous voulez interagir dans le chat, allez-y. On fera des pauses, j'espère, régulières, qui me permettront de découper pour YouTube, pour ceux qui voudront regarder en VOD là-bas. Voilà, tout simplement. Et on est parti. Hop, donc, comme dit... On se retrouve sur le menu parce que... Pardon. On avait commencé une première partie et on reprend tranquillement du début maintenant. On va laisser ça et c'est parti. Vlad, réveille-toi! Réveille-toi vite! Le rocher du mont Alpha risque de tomber! Le gars a le sommeil très lourd. D'accord. Viens, Vlad, nous devons fuir. Vlad, t'as oublié quelque chose? Hop. Maman est magicienne. Il pleut d'or, ne sent pas sans ta tunique. C'est une maman. Ce dont tu as besoin. On va dire que oui. Bien, Vlad. Un bien peut être remplacé, pas une vie. C'est vrai. Vlad, Dora, vite, le rocher va tomber d'un moment à l'autre. Je ne sais pas ce qu'était ce truc. Apparemment, c'était important. Kyle, seront-ils capables d'arrêter le rocher? Je ne crois pas. Pas longtemps, en tout cas. Réfugiez-vous sur la grande place. Tu ne viens pas? Je vais aider à évacuer les autres villageois. Laisse-nous t'aider, Kyle. C'est trop dangereux, Dora. Prends soin. Prends bien soin de Vlad. Vlad est suffisamment grand pour y aller tout seul. Tu peux trouver ton chemin, non, Vlad? Oui. Tu connais le chemin, va vers le sud et trouve la grande place. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait pour éduquer les enfants. On les laisse aller tout seuls, en cas de crise. Alors, hop, on va visiter... Ah, bah non, on peut pas visiter les gens. Hein, Vlad? T'es venu me chercher? Oui. Oh, désolé de t'avoir bousculé. Nous ferions mieux de nous dépêcher avant que le rocher ne tombe. Et il nous montre le chemin. Je vais réussir à rentrer dans sa maison. Et on va voir. Rien à piquer. Hop, hop, hop. Là, il y a un gros caillou. Allez. On va suivre le chemin que le monsieur a emprunté. Oh là là. Bon bah non. L'autre chemin alors. Oh bah non. Oui. Je pense que le jeu nous dit d'aller par là. Est-ce qu'on peut rentrer chez quelqu'un? On peut rentrer chez quelqu'un. Une bouteille. Une bibliothèque. Ah, raté. Hop. Vlad examine les rayons. Il y a un livre intitulé « Faire un grand village ». Il doit être la maison du maire. Il a besoin de conseils. Être maire pour les nuls. C'est pratique. Vlad, que veux-tu? J'essaie de sauver mes affaires. Il a quoi dans son coffre? Quoi? Tu veux que j'abandonne mes affaires? Non, j'aimerais te piquer tes affaires.
Tiens, Rocher Mallard, je vais perdre mon coffre et ma vie. Tu as raison, je devrais tout laisser. Filons d'ici. Garrett a rejoint votre groupe, c'est sympa. Le coffre contenant les affaires de Garrett. Ok, donc on va pas dire de l'ouvrir. Par là? Non. N'allons pas au nord, ce chemin va au Mont Alpha. Ok. La grande place est par là, nous devons aller vers le sud. Et alors comme on sait que les autres chemins sont bloqués... Oh. Ah, le rocher, il tombe. Et là, magie. Magie, 4 personnes arrivent à retenir un rocher. Un gros caillou, comme dirait Salania. Il est trop lourd, nous n'y arriverons pas. Sans notre synergie, Val sera détruit. Donc ça, c'est de la synergie. Voilà, c'est le nom de la magie. Nous devons tenir bon pour laisser le plus de temps possible aux villageois. Lui, il fait une pause. Dépêchez-vous, courez, c'est un peu plus loin. Plat, cours, le rocher arrive. Alors, ça, c'est la marche. Si j'appuie sur le petit bouton, je peux courir. Pas par là. Oh, un monsieur. Éboulement, palissade détruite, monstres partout. Je suis blessé, tu penses que c'en est fait de moi? Non, on a de la magie, on peut soigner les gens. C'est horrible, les monstres vont me... Hein, c'est bizarre, je me sens pas blessé. Le gars est footballeur. Faites attention aux monstres, ils sont sur le chemin de la place. Bon bah c'est parti. Pas par là. Premier combat, une vermine. C'est donc un rat avec un balai. Ou une fourche, au choix. L'initiative est pour Vlad. C'est bien. Alors. Bah écoute. Normalement, bon, on n'en a pas de synergie. Mais quand même, j'ai de l'herbe qui soigne, un sabre. Bien utile. Un sabre, bien utile. Une chemise et des gants. Bon, bah écoute. Non. Regardez. Toi. Et pareil. Allez, c'est parti. On va tuer des rats. Et il est pas mort le rat. PV. Eh ben c'est bon, vous avez vaincu une vermine. Tout ça pour 2 points d'expérience et 2 pièces d'or. 2 pièces d'or, elles sont riches les vermines par ici. Ok, on va passer par là. Oh. Et c'est une chauve-souris cette fois-ci. Bon bah écoute, on connaît le... Hop, voilà. Hein. Ouh, coup critique. 17 PV, allez hop, boum. Une chauve-souris, 1 point d'expérience. La chauve-souris rapporte moins d'XP que le rat, mais 1 pièce d'or. Les chauves-souris aussi sont riches. On va y arriver. Alors. Ok, des amanites. 2. On a encore l'initiative. C'est bien ça. Nous on va pas fuir, on va prendre de l'XP. C'est important l'XP au début du jeu. Boum. Ouh, les amanites peuvent contre-attaquer. Un coup de champignon. Le groupe d'amanites, c'est bien ça, ils ont réduit. On peut dire 1 et 2. 2 points d'XP, 4 pièces d'or. Ouh, les amanites sont une source d'argent du coup. Alors. Y'a quoi par là? Y'a quelque chose. Je vais voir ce qu'il y a par là d'abord. Des rochers. Oh, un chemin. Un autre chemin. Bon bah pas par là du coup. Nous ne pouvons pas contourner ce rocher. Oh.
Nous devons trouver un autre chemin. Bah oui. Allez. Non, l'escalier est là. Quelle catastrophe! Ils sont vraiment à flanc de colline. Oh non, mon frère! Une nouvelle crise à gérer. Ouais. Tiens bon, Pavel! Pavel va s'en tirer, nous allons trouver comment le sauver. Ou pas. Non, Pavel! Ah bah si. T'es les costauds, le gamin. Manifestement, la rivière est très agitée et il arrive quand même à se maintenir. La corde est trop courte, servons-nous de notre synergie, on a tué encore. J'ai utilisé toute la mienne, et toi, Kyle? Je suis épuisé d'avoir aidé les villageois. Riche idée de maman. Cherchons des secours. Riche idée de maman. Pavel pourra-t-il tenir assez longtemps? Pas apparemment, hein. Il n'arrive à pas se faire emporter par le courant quand... Quand il y a des tourbillons qui se forment, on les voit sur le côté. Il n'y a plus rien que nous puissions faire. Non, il n'y a rien que nous puissions faire, non. Allez chercher de l'aide. Vite! Lina, peux-tu y aller? Tu trouveras de l'aide. Ton frère compte sur toi, Lina. Bien, allons-y. Alors l'avantage, c'est que si t'envoies la sœur et que le frère se noie, bah, elle n'aura pas vu son frère se noyer, c'est pratique. Je vais au nord, va vers la grande place, compris? Oui, madame. Nous cherchons quelqu'un à qui il reste de la synergie. Est-ce que la synergie fait le café aussi? Vlad? Tu as vu ça? Oui. Je vais chercher de l'aide avant que Pavel se noie. Vous pourriez pas m'aider? Si, peut-être. Lina est allée à la grande place, rattrapez-la. Ok, maman. Salut, maman. Vite, ton cours. Et on va prendre notre temps pour rentrer. Voilà. On va y arriver. Pas de bibliothèque. Bande d'illettrés. Oh, Vlad! Vous n'avez pas assez de synergie pour sauver Pavel, trouvez l'aide. De toute façon, on n'a pas de synergie, c'est plus simple. Courage, Pavel, l'aide est en route. Oui, oui, je suis en train d'aller chercher de l'aide. Tiens bon, Pavel. Oui. Hop. Hop, là, là. Voilà. Hop. Courons. Coucou, Pavel, ça va? Alors, on passe par en bas, on passe par au-dessus. Donc ils habitent à flanc de colline, manifestement. Oui, je vais beaucoup zigzaguer. Ouh, un groupe mixte cette fois-ci. Une vermine et une chauve-souris. Bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'options. Ouh. 5 PV quand même, hein, la chauve-souris, elle fait mal. Mais au moins, elle vampirise pas. 7 PV, ou ça doit être une fourche, ouais. Ou une fourchette. Bref. C'est une bonne question. Si je demande d'attaquer la même cible et que... Aïe. Donc il se défend s'il a plus de cible, ok. Bon, c'est bon à savoir. Points d'XP, 3 pièces d'or, ok. 2 plus 1, ça fait 3, on est bon. Est-ce qu'on peut passer par... Non. Donc on va passer par là. Non. Je veux rentrer. Voilà, je veux rentrer chez les gens. La kleptomanie, pour ceux qui suivent Salania et son run de Siberia 2, c'est un thème récurrent. Pour ceux qui ont joué à Final Fantasy 7 aussi, on rentre chez les gens, on vide les tiroirs. Et c'est souvent pratique. Le 7, le premier, le vieux, celui de PlayStation 1. Non. On va y arriver. Un livre intitulé « La puissance de la nature ». Les rats de marée et les éruptions volcaniques sont au-delà de la compréhension humaine. Et donc rappelons-le, c'est un monde médiéval fantasy. Ils n'ont pas encore tout compris. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une bibliothèque. Oui, j'aime lire les bibliothèques. Enfin, des livres dans les bibliothèques.
Il y a un livre intitulé La pierre synergie. Ah, la synergie est rechargée en touchant une pierre synergie. Ça, c'est pratique. Marche comme une batterie. Oui, alors je joue avec le joystick, ce qui veut dire que je vais beaucoup zigzaguer. Hop, mais c'est plus confortable. La boutique est-elle ouverte pendant la crise? Oui, mais il n'y a pas de vendeur. Est-ce qu'on peut voler quelque chose? C'est le bon moment. Bah non, apparemment on n'a rien à voler. Hop. Donc on n'en est pas encore à ce stade du jeu. Bonjour madame. Lina est partie par là. Non. Pas d'autres lignes de dialogue. Ouh. Tu me demandes si j'ai de la synergie, Vlad? Bah oui, tiens, c'est pratique. Si j'avais 10 ans de moins, je vous aurais aidé, mais je suis trop vieux. Des excuses, toujours des excuses. Tu crois vraiment qu'à mon âge, on peut encore se servir de sa synergie? Ah si. Genre c'est pas comme dans D&D où plus tu vieillis, plus t'as de wisdom et plus tu peux faire des trucs... Non. Toute ma synergie m'a servi à bloquer les rochers. Il y en a quand même un paquet qui sont tombés. Et une auberge. Une auberge, on peut pas aller dans l'auberge. On peut rentrer chez les gens. T'as quelque chose... Ah, le forgeron, manifestement. Il y a une échelle. Ah non, c'est un rack. Tempi. On est reparti. On va y arriver. Bonjour, madame. Oh, Pavel est tombé dans la rivière. C'est pourquoi Lisa était si stressée. Je pense qu'elle a demandé à tout le monde. Toi, tu découvres ça. Bon, d'accord, attends. Non. On n'est pas dans Zelda, on peut pas les casser. Quoi, le clipping? Non. Mais... Rien dans un jar. Ouh, un caillou. Il me reste encore un peu de synergie. Là, cet enfant a plus de synergie que nous. Ouais, bon, alors si c'est pour faire ça... Tu vois, impressionnant, hein? Non. Non, non. Ouh. Cutscene. Allez, aidez les anciens. Le rocher est trop lourd pour qu'il résiste. Ah, tu vois, les anciens. Bref. Le chef du village qui parle, j'imagine. Des gros musclores. Comme ça, il doit avoir plein de synergie. Nous ne pouvons pas laisser le rocher raser notre village. Allons chercher les anciens. Je vais faire des voix aléatoires, jusqu'à ce que je tombe sur des voix qui m'intéressent. Nous comptons sur toi. Bon, bref. Ils sont deux, mais on a dit sur toi. Grand-père, Lina... Ah, donc c'est le grand-père de Garrett. Ok. Garrett, Vlad, vous venez m'aider? Bah oui. Lina m'a parlé de Pavel, c'est pour ça que vous êtes ici. Oui. Brave garçon, Lina peut avoir besoin d'aide. Oui, elle a besoin d'aide. Ah, une gonflée à bloc. Oink. Comment vas-tu? As-tu récupéré ta synergie? Donc ça doit être une pierre de synergie. Assez pour sauver Pavel grâce à la pierre synergie. Exactement. Je suis trop fort. Ok, Lina, dépêche-toi. La route peut être bloquée par des rochers. Vous deux, guidez-les. Ok. Merci, Vlad. Yeah. Est-ce que nous, on peut se recharger? Le groupe regagne tous ses PP, donc les PP, c'est le point de synergie, j'imagine. Le temps joue contre nous, dépêchez-vous. Ouais, ça va. C'est un JRPG. On a tout le temps du monde, comme d'hab. C'est pas... Bah, genre... Non, c'est pas... Elder Scrolls 2, 3. Si on n'est pas assez rapide, la fin du monde arrive et tout le monde meurt. Là, d'examiner les rayons. Il y a un livre intitulé « L'étiquette pour les voyageurs ». Oui, c'est important d'étiqueter vos bagages. C'est important. Il est impoli de ne pas se présenter au maire de la ville. Je pensais pas à ça, mais oui. Bon, bref. En ces temps de crise, nous allons nous dépêcher. En marche. Bon, allez, je déconne. Est-ce qu'on peut quitter le village? Il y a une barrière. Donc, on est des héros. Donc, on va aller sauver des gens. Tiens, d'ailleurs. Non, ça c'est pas mal. Je peux mettre en veille le jeu. Pourquoi pas, je peux sauvegarder. Ça c'est bien. Allez, on va sauvegarder. Je vais écraser ma vieille sauvegarde. Hop. Oui. Petite musique sympa. Partie sauvegarder. Voilà, le menu apparaît comme ça. Est-ce qu'on a le statut du groupe? On est toujours que ces deux-là. Ça nous sert à rien. Ouais, on va se soigner. Et on est parti. Non, raté. J'appuie sur le bouton. Ah, là.
la 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 la. Ah. Non, pas, nous sommes là. Est-ce toi, Alina? Eh oui, maman de Vlad. Oui. Je n'ai pas pu trouver d'aide. C'est un petit village. Comment t'avez-vous... Vous tombez à pic. Alors, mon frère est toujours bas, apparemment, oui. Pavel va bien. Optimiste, maman. Pavel va bien, il est là. Descendez ici, que nous sauvions Pavel. Voilà, donc on a une maman qui donne des ordres et on obéit. Oh là là! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que se passe-t-il? Attention. Pour citer Salania, un gros caillou. Ouh. Ouh là là. Ah. Bah voilà. Hein, Pavel, c'est fait. Et puis, une partie de la population du village aussi. Bonjour, monsieur. J'y vais. Non, je peux pas bouger. Vlad, trouve de l'aide. Putain, c'est à nous de tout faire, quoi. C'est un gamin, hein. C'est un gamin, il fait tout. Il trouve de l'aide, il fait la cuisine. Vlad, le rocher, nous avons besoin d'aide ou tout le monde va se noyer. Après avoir pris un rocher sur la tronche... Maman, papa, Pavel, ne me laissez pas seul. Du trauma. Et j'imagine que Kyle, c'était soit notre papa. Non, impossible, Kyle, ce doit être un rêve. Ok. Non, rien d'autre à dire. Le chemin est bloqué, donc allons trouver de l'aide plus loin. Ah. Hop, oui, et les vieux jeux GBA. Vlad ! Je peux pas le laisser y aller seul. C'est sympa, mec, c'est sympa. En des temps comme cela, notre union fait notre force. C'est assez vrai. Il aurait fallu plus de gens que de la synergie. Ouh. Ça, c'est un portrait de méchant, ça. Il a une méga mèche, des yeux rouges, un visage tout pâle, un genre de tatouage. Nous sommes les deux seuls survivants. Et une musique de méchant. Et une méchante, du coup. Comment imaginer que le temple de Sol soit si en colère? C'est un miracle que nous ayons été épargnés. Cet interrupteur... Ce devait être un piège. Bah manifestement, ouais. Pensez qu'il pourrait invoquer une tempête toute de cette puissance. Une preuve de la terrible puissance de l'alchimie. Donc on nous parle de synergie et maintenant d'alchimie. Ok. Nous n'échouerons pas la prochaine fois que nous reviendrons. T'as, ils ont prévu de revenir les mecs. La prochaine fois, nous réussirons. Vlad, attends. Et c'est mort pour la discussion. Vous écoutiez notre conversation, hein? Non, non. Vlad? Vlad, ils ont l'air effrayants. On doit vraiment leur parler? Non, non. Elle est d'accord. Non, non. Vous devez oublier ce que vous avez entendu. Ouais. J'ai comme un sentiment que... Oui, ça va être définitif comme solution qu'ils vont nous proposer. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider à oublier. En effet. Une inconnue apparaît. Un inconnu apparaît. Un inconnu vous offre des fleurs. Écoute. Ouh, coup critique. Type PV.
Attaque simple, 20 PV. Oui, il s'écroule, oui, il est un peu mort, ouais. Et une boule de feu pour finir le taf. Allez, boum. 66 PV, il en avait combien? Quelque chose comme 23. Un peu overkill, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Garrett s'écroule, oui. Le groupe de Vlad a été mis KO. Ah, seulement KO. Bah voilà. Fin de l'aventure, merci d'avoir suivi. Il saute de falaise en falaise comme ça, enfin de morceau de colline en morceau de colline. Et on retrouve l'écran titre du jeu Golden Sun. Le jeu a effectivement 20 ans maintenant. Enfin, plus de 20 ans même. 3 ans plus tard. Grosse convalescence. Ça papote doucement, ça répare des toits. Vlad, t'as pas encore fini de réparer le toit. Sympa maman. T'as presque fini. Ok, continue, ça va. Yeah. Toujours en train de t'entraîner, Garrett. Ah, il a appris à utiliser la synergie, il pousse. Il pousse un gros machin. Tu mets du cœur à l'ouvrage, Garrett. Ah, perdu sa concentration du coup. Oh, je viens de terminer. Bien, il est temps d'y aller et j'allais te laisser derrière. Dis, que vous est-il arrivé exactement? De quoi? L'accident, il y a 3 ans. Est-ce que tu... Est-ce pourquoi tu étudies la synergie? Oh bah il est triste ou non? Merci de t'inquiéter, mais ni ma famille ni le père de Vlad ne reviendront. Jamais. Je veux juste oublier ce jour. Si tout le monde pouvait faire comme moi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Nous étions allés chercher de l'aide. Bien, Vlad. Rentrons, rendons visite à Telos. On nous a trouvé inconscient. Waouh. Et toi qui parles en même temps, c'est difficile. Quoi, Garrett? Hein? T'allais dire quelque chose, non? Non. Non. Relax, Garrett. Quoi? Elle parle, Jones. Oui, bon. Ina, tu me fais la tête. Je peux pas en parler. Allez! Hein? Vlad nous attend. Mais Nina, elle est colère. Elle est toute colère. Si t'es trop lent, je te laisse derrière. Nina. Ah bah lui aussi il apprend la synergie pour boucher des trous dans le toit en chaume. Oui, c'est une façon de s'entraîner. Et puis il fait ça bien. Hein. Au travail, Vlad. Les toits en chaume sont plus solides que ceux à quoi je m'attendais quand même. Tu t'es bien débrouillé. Bien, nous sommes parés. On peut compter sur toi, Vlad, comme ton père. Non, Kael était bien son père. Vlad, tu penses toujours à l'accident? Bah oui, quand même, je me suis fait mettre KO. Je m'en doutais, Vlad. Je te viens de parler de mon père qui est décédé, quoi. Garrett et toi, vous vous êtes démenés pour maîtriser la synergie. Je pense que les choses auraient été différentes si tu avais été plus fort. Oui, alors on va jouer le héros. Oui. C'est ce que je pensais. La mort de Kyle m'a fait beaucoup de peine. Je m'étonne.
J'étais si triste. Il m'a fallu du temps, mais ça va mieux. J'étais toujours Vlad. Le gars s'apprête à quitter le village, je pense. T'as presque 17 ans. Ah oui, quand même. Tu ressemblais énormément à Kyle lorsqu'il était jeune. Je me demande ce que la vie te réserve, mon chéri. Madame. Bonjour, Lina. Bonjour. Ah, oui, oui, bonjour. Il y avait beaucoup de monde sur un seul toit. Mais c'est Garrett. Comptez-vous aller aujourd'hui? Ah, il n'en avait pas parlé à maman. Nous allons au mont Alpha avec Telos. Vous allez faire un peu d'escalade, hein? Ah, c'est jeune. Non, ça fait partie de nos études. Ah oui, l'alchimie. Ah d'accord. L'alchimie est la source de toute synergie. Ah. Du lore. Et vous savez que le mont Alpha est l'origine de toute alchimie. Ok. On dit que Telos est le meilleur professeur. L'alchimie, je me demande à quoi elle sert. Bah tu viens de le dire, à faire de la synergie quoi. Elle parle d'elle à la troisième personne. Ta mère préférerait te voir grandir comme un homme ordinaire. Je suppose que vous irez quand même. Bah ouais. Si ça ne vous fait pas changer d'avis, alors rien n'y fera. T'es aussi têtu que ton père. Soyez prudente, madame. Ah. Butch. Garrett, non. Butch. Allez. Un toit à refaire. Un. Oh, c'était génial. Ok. Désolé de vous avoir causé cette petite frayeur. Bien. Je suis désolé, la prochaine fois je vous laisserai passer. Attends, pas ici. Hein? Mais que... C'est pas grave. Je ferais bien de descendre maintenant. Tu ferais bien de descendre maintenant. Avant de causer plus de dégâts. Cette vieille maison va s'effondrer si vous restez dessus. Oui. Oui. Manifestement. Je vais tout réparer. Pas besoin de me tenir compagnie. Merci, madame. Appelle-moi Dora. Nous descendons de ce pas. Il va passer à travers le toit, lui. Attends, Garrett. Fais attention où tu mets les pieds. Bah oui. On a déjà fait deux trous. Garrett et Lina ont rejoint votre groupe. C'est pratique. Et maman. Va tout réparer toute seule, du coup. Hop. Et c'est le bon moment pour faire une petite sauvegarde. Et on va faire un peu. Je vais faire rouler les sauvegardes. Un roulement sur les sauvegardes, c'est toujours pratique. Hop. On va prendre un petit temps. Hop. Pour couper un petit moment. Voilà, tout simplement. On dit à plus pour ceux qui regardent sur YouTube. Je vais essayer de découper comme ça en segments d'une trentaine de minutes. Et on va pouvoir reprendre rapidement après. Ne vous inquiétez pas sur le live. Voilà, tout simplement. J'ai remis le clap. Commentez, likez, abonnez, partagez. Pour ceux qui n'auraient pas encore joué au jeu, qui seraient trop jeunes pour avoir joué au jeu à l'époque, ou qui n'avaient pas accès au jeu à l'époque, et qui veulent me regarder dire n'importe quoi pendant que je joue, eh ben écoutez, c'est l'occasion. Voilà. Allez, à plus. Bisous.